soir, 34 collègues de 11 nationalités différentes auront le privilège de recevoir la médaille du service. Cette distinction récompense leur dévouement, leur fidélité et surtout leur travail au service des valeurs de l'Union européenne. Je tiens à remercier ici tous les collègues qui ont contribué par leur engagement au succès de la mission, en transformant des petites idées et initiatives en grands projets qui répondent aux besoins concrets du Niger. Les nations de l'Union européenne travaillant ensemble avec les Nigériens vers un même objectif, telle est vraiment la quintessence du slogan « Unis dans la diversité » ou, comme on dit ici au Niger, « On est ensemble ». J'étais contente que tous les missionnaires étaient là. On a ceux-ci qui ont reçu les médailles, par exemple, étaient des représentants de l'Union européenne et aussi des locaux qui travaillent pour la mission. Et c'est vraiment une façon de leur dire merci beaucoup pour tous ces projets qu'on a fait ensemble avec les Nigériens. Et pour moi, ça, c'est la chose la plus importante, qu'on va travailler, on va continuer à travailler ensemble avec les Nigériens. Il y a déjà 11 ans que le Niger aide aux forces de sécurité nigériennes en les entraînant, en leur donnant du matériel, en les faisant plus efficaces pour donner de la sécurité. Il y a ici des effectifs de 11 pays différents de l'Europe, mais aussi parce qu'on leur fournit du matériel qui est précieux pour faire face au terrorisme, au banditisme et à tous les défis sécuritaires qui menacent la population nigérienne. Je leur souhaite bonne chance et je leur félicite pour son travail.